Alors les amis, à toutes et à tous, bonsoir, salut, très bonne fête de Pâques chez vous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 31 mars 2024. Tout le monde aujourd'hui, on célèbre la journée des Pâques. Alors, comme l'image passée, c'est la journée des rameaux pour les pratiquants catholiques. Hein. Bonne fête à tout le monde à travers le monde. C'est une fête standard universelle. Je vois même des pays musulmans où les pays sont, où les présidents, chefs d'État sont en train de souhaiter à la partie chrétienne très bonne fête de Pâques. À tous les amis, très bonne fête de Pâques chez vous, vous et vos familles respectives dans lesquelles vous vous retrouvez. Alors, nous commençons le direct aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui du sujet que j'ai préféré intituler comme cela, la fuite de Joseph Kabila. Nous allons aussi parler de l'insécurité en RDC comme conséquence de l'arrivée de Kabila au pouvoir avec différents mixages et brassages et infiltrations. C'est la conséquence que nous payons aujourd'hui. Le monde semble oublier. Le cardinal Mongo fait l'apologie de la rébellion armée. Dans un message, dans son homélie, il a dit que si les gens prennent les armes, c'est parce que tous ceux qui sont en Kinshasa ne savent pas bien partager le gâteau. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la plateforme. Je suis Blaise Mukenge. Je suis content, alors très content de vous savoir nombreux en train de nous suivre de par le monde. Alors, pour commencer notre émission de ce soir, voyons une vidéo publicitaire de nos partenaires. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve après ceci. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Alors, ça c'est une pub de nos partenaires Maxi Bien-être. Je vous prie de suivre le numéro de la pub. Faites une commande, pourquoi pas. À Kinshasa, où là je suis, le Maxi est disponible. Ce que au Bengi, livraison Nandaku est à garantie. Donc, tu as commandé produit Maxi, na Kinshasa, garantie à domicile. Ce qui est la très bonne partie, na système y a vente, ou est commis un peu évolué, hein, un peu amélioré dans sa soin. Donc, ce que sont les Maxi, ou que soit livraison, nous passons très bien en Dako. Ma produit, ils a ébélé en quantité, en tout cas industrielle. Moutonio, ça consomme Maxi, à cause d'un gâté que, et comme elle est, vous pouvez aussi devenir partenaire des Maxi pour, vous enregistrer au Bandako TKP produit Maxi, n'est-ce pas? Barque notre yo comme parce que il y a franchise au Bandako TKP Maxi, hein, sorte à succursale au Bandako TKP paye aussi la bénéfice. Pourquoi pas? C'est un produit qui a fait son temps, qui a fait son nom. Beaucoup de gens sont intéressés dans le produit Maxi. Mesdames et messieurs, bienvenue à la plateforme. Bienvenue à la plateforme. Je suis Blaise Mokenge. Je suis très content, alors très content de vous savoir nombreux en train de nous suivre de par le monde. Alors, la connexion maintenant est fluide, on peut y aller. Tout le monde qui est Mboula est comique aussi là, parce qu'il y avait une menace sérieuse de pluie qui nous empêchait à démarrer. Hein, c'est qu'on attendait un peu que Mboula et Sanet et Kikita pour Tobanda émission Nabisso. Notre émission est souvent en direct. C'est une production qui se fait en direct tous les jours de manière intense soit peu, hein, du lundi à dimanche, de les cabinon. Jusque là, ma mission en direct, magazine où nous commentons, analysons et commentons surtout l'information de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons commencer par le premier sujet qui est Joseph Kabila Kabange. Alors, depuis la nuit du temps, vous savez, Kabila, bon, c'est un gars qui est très fort, très connu pour son silence. Il y a son camp politique aussi, hein, qui fait des sorties, des fois ratées, des fois inappropriées, compte tenu de la personnalité ou du culte de la personnalité qui incarne le nom de Kabila. Donc, il y a un mythe autour de son nom. Alors, quand on dit Kabila, des fois, il dit bon, les gens le défendent, des fois, les choses auxquelles il n'est pas intéressé. Imaginez l'homme
aux côtés des présidents avec lesquels ils ont tissé des relations particulières. Maintenant, Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, lors d'une matinée politique, là où moi j'y étais, voilà, c'est l'occasion pour présenter la commission de gestion des ambitions au sein de l'UDPS. Je pense que la publication en ligne, si vous trouvez d'autres informations sur Kabouya, beaucoup moins bilo konyoso wana. Alors, Augustin Kabouya a profité de l'occasion, je disais donc pour présenter les candidats aussi, pour mettre les points sur les i sur l'histoire de la guerre de l'Est. Parce que était présent le professeur André Mbatabetoukoumessou, j'ai vu Liaou, j'ai vu David Moukeba, j'ai vu Etienne Longondo, tous les cadres de l'UDPS généralement étaient là, et les membres de la dite commission étaient là, et une partie des ministres et députés de l'UDPS étaient présents à cette manifestation. Ça montrait donc de l'importance de la communication que Kabouya devait passer. Kabouya n'a pas improvisé. Il y a beaucoup de gens qui commandent la communication de Kabouya, et lui, chaque fois qu'il sort, ce sont des bombes qu'il jette, et puis il va prendre du temps pour se justifier, pour dire je vous le dis ceci, voilà ce que les gens ont interprété en leur place de ce que je voulais dire. Mais cette fois-ci, on l'a entendu de manière haute et intelligible. Toki très bien. Kabouya le Bouboué. Soki mboka na biso ezana pasi. C'est à cause, il y a gestion, il y a Kabila na famille politique na ye. Pas sa famille personnelle, Zoé, Jeannette, non. Sa famille politique, les FCC, qui a dirigé le pays pendant 18 ans. C'est comme ça qu'il est allé. Alors, cette affirmation-là, malheureusement, dans le camp de Kabila, sa machine politique n'a pas baissé garde. Il est en train de réagir. Je vois beaucoup de vidéos de publication en ligne, des insultes à la personne de Kabouya directement. Moi, je voudrais qu'on ait dans les faits, hein, qu'on ait un peu dans les faits, qu'on puisse contredire Kabouya dans les faits, comment est-ce qu'il a tort. Qu'on montre le développement que Kabila avait fait, qui doit être tangible, palpable. Macky Sall est en train de partir du Sénégal. Dans ses deux mandats, il a réussi au moins à terminer les travaux de modernisation des infrastructures. Il y a aussi un projet comme ça entre la RDC et le Japon. Si les Congolais sont de bonne foi, ils appliquent ça, ils vont arriver à l'objectif que le Sénégal est arrivé aujourd'hui. Avec les trains, les rails, les routes, les ponts, tout ce qui est en infrastructure de ce côté-là. Macky Sall a beaucoup avancé avec une bonne flotte d'avions dans leur compagnie aérienne du Sénégal, que je n'ai jamais entendu parler dans le monde Air Sénégal. Je n'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas l'avion du Sénégal va où. Je n'ai aucune idée. Mais c'est qu'ils ont au moins un chawa ou une flotte qui leur permet de bouger les Sénégalais de point A à point B. Ils sont au même mesure, ce sont des grands commerçants, hein, ils font en Chine avec leur propre avion, au lieu d'emprunter l'avion de Rwanda, aller là-bas. Au moins eux, ils ont su résoudre cette difficulté-là. Macky Sall est partir, Bilimbo, Yangwana. Maintenant, les amis, dites-moi un peu, Bilimbo, Nini, Kabila, Tika, et les amis qui insultent Kabouya devraient plutôt nous brandir. Parce que ça parle mieux. Bon, il dit toujours qu'il était l'homme qui a imaginé la formule de la paix. C'est celui qui a eu l'1+4. C'est celui que le pays qui était divisé, émietté, s'est réunifié. Bon. Parce que pour moi, Kouya Kabila na pouvoir, na zone sa titre wana. Kouya na ba famille Kabila na pouvoir, donc bandeko, et sa conséquence, il y a insécurité à l'Est. Tant qu'on n'a pas na kolo bango. D'abord, tout kalano Augustin Kabouya, dans son message qu'il a passé au commandant de l'UDPS, et là où il dit spécifiquement que les gens du M23 sont avec Kabila. Vous allez en enchaîner dans le sens où nous sommes à un point de nos retours. Parce que s'il y a une évidence que les gens qui sont avec Kabila et que lui-même serait aussi impliqué, qu'il y a une communication, il y a des preuves. Les gens des preuves qui sont arrivés par exemple la justice, la coopération américaine, l'histoire de François Béat, l'histoire de Bisselele, c'était comme ça, c'était les communications donc, qui étaient là et puis on les écartait du circuit. L'objectif c'est pas de l'arrêter. Il a coupé un circuit. A mis un circuit côté Onasco, Porto Anderson et Kangami. Suivant Augustin Kabouya, question de rappel. Moi j'étais là sans direct. C'est à côté ici, hein, c'est non loin de là où j'étais un peu avant. Nous sommes rendus là-bas. J'ai vu Kabouya en train de parler. Suivons ça en image. Bon, on a distraction, on a discours, yao, et ça dernier mandat. Et ça mandat, même avec ceux qui ont mandat. Na ningiteke
Eh, il dépend c'est viva. Viva. Ndenge bomesana ko balusa makamunga na zakolo. Na ningite ke boke ende lesusu kabuya lobby baza ko réviser constitution nga na lobby bongote. Boza ko na ngai? Wokanga. Atusi bardi. Kabila asengela ki bananga wana. Et pas un dirigeant africain mokoboy. Pour appuyer Bango avec tous les moyens logistiques et financiers. Vous avez la nangaï? Bino Boti, bon, on a pas distraction à Binoan. Bota l'ango bien. Bota l'ango bien. Nasna et Sabino place Oyo. Nazalaki, Afrique de l'Ouest. Bayambakanga et pas président à Niger. Na wazalaki na ebonga na wazalaki na kabuya lobi atali na misima kambo na zoa masima na ke diversion parce que kabuya déjà parti hein moi na bouté qu'on appelle mon bouté ok c'est kabuya secrétaire général président intérimaire de l'UDPS il dit clair Kabila za sou na mboka oyote. Kabila abimaka na dejem ay makamona ite. Lobi na juma telephone au coup de fil et billet, ma tout son mango Kabila kimi za ndenge nini? Kabila est-ce que pour abima il faut autorisation, il faut tout ça bandeko, mettons le point sur les i. Kabila za ancien chef d'état congolais. Ala tisse makara, kara wana avec sa indifférence, il a tourné les dos au pays en quelque sorte. Même ses frères Bamon a présenté son frère Zoé Amon a présenté il garde un profil très bas banda za li banda yaba institution à part Jeannette qui est en charge de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila active en politique alors qu'il était membre n'est-ce pas du parlement congolais aussi membre du parlement panafricain alors elle est un peu présente en politique. Mais Joseph Kabila, apparemment, lui, l'histoire du Congo, il a tourné le dos les jours où il se séparait de Tshisekedi. Alors, aux manifestations officielles au Congo, même celle est entrée à honorer la mémoire de son père. Moutapese Kombo, ya Kabila. Moutapese Bomengo Nyonso. Musée Laurent Désiré Kabila, Ayakate. Ça trouve au mieux des différences, Moutouanango. Puis na Kanda, de Batoyo, na dirigé le Bango Mboka, na fait na Kosala. Il me paye à mon nez de singe. Bon, gai na se na un peu quand on a eu na basansona. Tandis que Kabila depuis la nuit du temps, pas la nuit du temps, je veux dire, depuis qu'il est ex-chef d'État, pour voyager souvent, il fallait avoir une procédure. C'est-à-dire au quotidien demande, bilan mabongo autorisation, on se voulait ok. Parce que Kabila, il n'était pas habitué à être trop avec les Congolais. Hein, il, avec un entourage naï, c'est pourquoi il était inconfortable à ce bavion Trigabassé à Milo Mabongo, peut-être que question de sécurité. Alors, la plupart du temps, il s'est promené dans la jet. Jet où on a pour survoler, il faut autorisation. François Béa, qui était à cheval sur les deux, il travaille en même temps et pour Kabila et pour Félix Tshisekedi. Vous vous rappelez de l'expédition l'expulsion Mani Militari de l'ex-patron de la Mossad, je cite Yossi Cohen. De la RDC. Yossi Cohen est venu voir Kabila. En attendant, il a improvisé une visite chez Tshisekedi. François Béat avait rendu ça possible. Alors, François Béat, Kabila avait le moyen de l'atteindre rapidement pour avoir d'autorisation. Malamoko a déplacé Naïe. Quand François Béat va décharger de la responsabilité Moussoussou, le temps, je pense, d'Hervé Mbelou à la NER, les choses ont un peu changé. Vous voyez que maintenant Kabila devait se conformer. Il y a ce type ici, il s'est compliqué. Kabila faisait ma demande naïe pour se déplacer, à se déplacer effectivement. Mais chaque fois qu'il ne faisait pas de demande, il ne se déplaçait pas. Alors on se rend maintenant compte que ici, il s'est rendu compte que les Congolais finalement commencent à me voir comme monsieur, madame, tout le monde. Je deviens ordinaire comme tout le monde. Je n'ai plus les faveurs que j'avais avant pour aller directement avoir mon intérêt pour déplacement dans Ghana, se déplacer. Bon, on soit là, ils allaient sauter. Bavantage, on a, ils allaient sauter. Parce qu'apparemment, c'était comment? Moi, je suis Kabila, je vais, je voyage. Les restes, si c'est un papier, vous allez le faire après, même à savoir, j'ai naï. Auparavant, c'était comme ça. Moutoumoukazalam bon rebelle, à redispatcher mon wana et corrompre tout maman et silica bongo.
on enterre l'affaire comme ça. Maintenant, pour question de sécurité et de traçabilité, il faut Bayou Bakabila Kewapi, il prend quel vol, c'est quoi l'itinéraire, parce que s'il lui arrive un problème, les gens qui sont au pouvoir doivent justifier ça, même par négligence. C'est aussi pour sa propre sécurité qu'on le fait. Aussi pour qu'on sache avec qui il parle. Est-ce qu'il parle avec nos ennemis? Est-ce que c'est comment? C'est comme ça que Kabila Zaki, dans une prison à ciel ouvert, tout le monde connaît déjà. Hein? L'arabe aussi, Zaki, prison à ciel ouvert pour l'ailler. Donc, il pouvait se promener librement, mais comme dans une prison. Donc, et comment que prison, je veux dire, à ciel ouvert. Donc, très contrôlé, très surveillé. Depuis un temps, Kabila les moins. Pour la cause, on a Kabuya. Hein? Kabuya qui dit effectivement que Kabila, Abimaki, Akena qui a été sous son raté. Voilà. Je vais montrer une publication très discrète. Sauf que je tenais de comparer Namibie, par exemple, en Afrique du Sud. Kabila a plus de biens, de valeurs et de qualités en Afrique du Sud. Je vous donne l'exemple de la cité ou le quartier qu'on appelle Constantia. C'est un quartier, ils sont là-bas ferme. Hein. Les hommes riches habitent là-bas. Ils ont des maisons, gens fermes avec plateforme hélicoptère pour atterrissage à Cape Town. Kabila a beaucoup de biens là-bas, à Constantia, et aussi dans les fermes, là où on fait la viticulture. Vous connaissez l'histoire de Miko, n'est-ce pas? Miko était viticulteur avant Koufa. Dans Cape Town, il fallait avant d'avoir ça la vin. Bah que pourtant on est aux États-Unis, mais au Mabongo, ils ont domaine Moko, ils ont Mbongo Bélé. Alors Kabila s'est lancé dans ça au niveau de l'Afrique du Sud. En Namibie, il avait acheté une ferme qui appartenait à la famille, un ranch hein, à la famille d'anciens présidents namibiens. Alors, le président Oyo Azasima n'a pouvoir, bah ça continue de protéger Mabie Wana parce que c'est d'une très grande valeur. Kabila a déboursé beaucoup d'argent dans la Namibie, alors qu'il en a besoin. Il se vendait ça, il ne savait pas que la propriétaire était Kabila. Maintenant, pouvoir à Cécilia, on ne va plus le traiter comme homme d'État, c'est comme un homme normal. Le coup d'un bien Kuna, ou Soussou, d'une très grande valeur, on a trouvé que c'est d'importance que Bapé Saïe asile, si on peut faire asile politique dans la Namibie avant Nakuna. Calmement, comme ça, le temps que à se réjouir, na retraite naïe, na mon bon naïe. Parce qu'il n'est pas le seul ancien président dans ce monde. Il y a un pays magique, hein, c'est le Botswana. Le Botswana a, à une époque, parce que nous, il y a Siakoufa déjà, qui est venu Massiri à Siakoufa. Qui est venu Massiri. Sefas Mouhaye. Kama Yan Kama. Batunyon sona, baza vivant. Donc, Botswana a trois présidents comme ça. Il y a Kalaba vivant. Banabango Baba Tambora. Taboumbe qui est vivant. Jacob Zuma est vivant. Bapé c'est bien, hein. Ces présidents sont là. Edgar Lungu, aza vivant. Aza ancien président zambien. Baza est bien, donc Kabila n'est pas le seul. Et puis, ils ne font pas les news. Ils ne font pas d'informations. C'est seulement, n'a pas colonne mobile politique parce que leur parti ayant perdu. S'ils ont un congrès, ils peuvent parler pour leur motiver. Bon, on a côté Mboka Batikeliango. Tout le temps, dans Kenya. Voilà, Kenya. Uhuru Kenyatta est vivant. Aujourd'hui, mais c'est William Ruto. Et qu'on le récupère. Bon, ici, traîne dans la rue, je pourrais dire, il va le ramasser. Comme avait dit le Marshal Mobutu. Si le pouvoir aujourd'hui hein, est contre un mur, et Bungi Namaboko Baba Nango, Sikoyo, Kabila va les récupérer. Malgré que dans l'armée il y a eu des réformes, bah réformes on a essayé que bah erreur on a commis dans le passé et comme vous là tout le monde un peu réparé malembe mais ce n'est pas encore terminé. Par exemple souvent on a chute, il y a plusieurs villes localités Namaboko et bah Paya M23 bah Rwandais ils allaient parce que il y avait un système qui était là, qui lui a permis à Tikala, à Tikango et Kendeka Bongo. Maintenant, venons-en maintenant à Joseph Kabila. Cette image ici, Bandeko, laissez-moi un peu l'icolo. Cette image ici, sur Botelango, très bien. Bon, bon, ça c'est pour Kagame. On a James Kabarebe, Joseph Kabila,
on a Kunda Batware. Là. Là, c'est très visible, mais voilà. Kunda Batware. Bato Bokomonawana à une époque, ils ont eu à diriger le pays dans une Congolaise, un Rwandais, qui l'a nommé Laurent Désiré Kabila. Sous Mobutu, faut avoir un Rwandais à ce poste-là. C'est un argumenté. Alors, Bisengeman a été Rwandais. Azalaka, Désiré Kabila, oui, Bisengeman a été Batoubaké infiltré. Sous des gens qui ne disaient pas ce qu'ils étaient, Bandaro, Bandaro, Bomba. Hein. Ils sont devenus comme réfugiés, et puis après, quand ils prennent l'appétit, Barbu Kouralmet, Ozarakala, nous étions là avant. Si vous voulez le bandeau, ma photo est belle à Tien Tshisekedi. Comme on a Roubé Wassima, Rwanda Wanasima, ils se sont arrangés pour être à côté de l'opposant et tout le monde. Bon, Mobutu était un peu discipliné, à part Bissengemana, Rwanda, on doit pas battre chez Mobutu pour prendre les photos. Alors ils ont voulu s'inscrire dans l'histoire. Ils ont remis le lot, ils ont publié ma photo. On publie les photos de M23, soi-disant, ce qui les a invités à Kinshasa. Et puis d'ailleurs, ils ont pris les photos avec leur père, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, le brassage, l'infiltration, les nominations des Rwandais au sein de l'organisation congolaise et dans l'armée. Des alliés, affaiblissement armée, n'a tout le bas. Conséquence, Bandeko. Et ça, l'insécurité m'a cassé dans l'Est de la République. Les accords signés en 2009 avec la CNDP. Le CNDP, je veux dire. L'M23 en 2013 par Kabila. Donc, est consacré infiltration et s'accentuer dans le Mboka Nabiso. Donc, c'est par eux que c'est venu. Ce qu'ils étaient en train de faire, à ça, on a fixé les Kambo. Et c'est quand ils allaient. Eu regard à tout ce que Kabila a dit, dans la forme, dans les fonds, moi j'ai pas de problème. Parce qu'à voir même les réactions des hommes de Kabila, il y a par exemple, pour prendre un lobby, sorti de son pays en bonne et due forme, Joseph Kabila n'a pas de compte à rendre à l'UDPS. Il poursuit son agenda, notamment ses responsabilités académiques à assurer. Il rentrera dans son pèlerinage quand le temps arrivera. Alors, bataille. Bon défendre na bagima wana bandeko bon comprendre nga bien bon comprendre nga bien raison oyo ba collaborateur Kabila pesi que des raisons à quelle banda ya mboka entre autres ba étude na ba recherche scientifique. Non, il faut pas se moquer des Congolais. Si Kabila était chercheur, il recherche na ye et qu'on peut sa solution à l'humanité na beta maboko. Je ne sais pas. C'est la géostratégie. C'est déjà vu, déjà entendu. Lisez seulement Yves Lacoste. Il a tout écrit sur la géopolitique. Je n'avais même comme Wasikao Kabila qu'a inventé, à part comme ta perception. Il veut un peu faire l'institut Kabila comme Mbeki. À ça, là, la mauvaise lecture. Si vous lisez les rapports des Nations Unies, c'est autre chose. Sur les rapports, on écriront que l'M23 est en train de gagner de plus en plus de terrain. Il y a un train de ce que le terme qu'ils utilisent, besoin d'expandre prédominance Samango sur le sol congolais. Ça, c'est Mundu Keita qui a dit ça au Conseil de sécurité des Nations Unies il y a très peu. Alors, le Rwanda n'est pas le seul responsable des malheurs du Congo. Voilà, alors que les rebelles du M23 continuent de progresser dans l'est de la République démocratique du Congo. Exemple, il y a Rwindi, Yangwana. Rwindi est allé. Lobby artillerie lourde et bétamine à Rwindi. Je vous dis, il y a des corps, il y a des cadavres. Sur Bogo Naix, Bogo Nango. Il y a des cadavres, vous n'avez pas d'idée. Donc, l'artillerie lourde, Oyo, il y a FRDC. Et ça, le 10 millions de morts, zéro sanction. Il a quand même expliqué. Dans ce sens-là, pour que Bandeko n'intervienne pas ici dans les journaux Le Monde, mais il y a la version écrite à tout, mais les gens qui ont coupé les petites parties ont seulement dit que Tshisekedi a dédouané le Rwanda en disant que le Rwanda n'est pas
les seuls responsables du malheur de la RDC. Et pas dire des pressions sur la RDC pour laisser une chance à la paix. Je n'emprunte pas cette voie par faiblesse, mais avec l'espoir qu'elle aboutira à quelque chose. L'épauvration de Paul Kagame, le président rwandais, sont nombreuses. Sa manipulation et ses manœuvres ou ses mauvaises intentions ne font pas l'ombre d'un doute. C'est la voie de la dernière chance au-delà de laquelle nous répondrons aux escarmouches parce que nous avons les moyens. Voilà. Ce qu'il y a à préciser, hein, et le coin de bande de se comprendre, les cambouillements des escarmouches. Donc, ma cambouille à guerre, surtout comprendre très bien, et ça que, à ce qui pression diplomatique, il y a les bandes à Makassi, pour que, à ce moment Sima, sur les attaques sur le Rwanda, bah, Rwanda va bangaki, bah, que la communauté nationale, non, tu sais qu'elle dit, veut nous faire la guerre. Il va nous attaquer, et puis, s'il nous attaque, il va se montrer que le Rwanda, il va tuer les Tutsis. Alors, face à cette histoire-là, Mindele Bacha et Tshisekedi des pressions que vous n'avez jamais vues. Alors, il dit ici qu'on donne la chance. Oda, face à Souka Sikoy. Maintenant, on va voir ce qui doit venir. Maintenant, pour diffuser tout cela, Ndebo Komonelo, ma publication, ma Kosala, il y a Alliance France, Fleuve Congo, Bomoni, na compte X, il y a John Numbi, a publié Biloko Ebele, il y a Batouba qui rejoint le groupe Wana. Les gens sans impact. Les soi-disant membres de l'UDPS. Parce qu'il faudrait balouka moyen un peu à coup de donner Kabila. Parce que Kabila Awa, n'est Kabouya Alobi, tout tombe noir sur blanc qu'il est le sponsor naturel du M23. Au moins la partie congolaise. Parce qu'on dit que les sponsors de ces groupes-là sont à Kinshasa. Sont à Kinshasa auprès des institutions. Alors on se dit, mais finalement, il faudrait que Batoumou soupe. Soi-disant, il y a eu des pèses, pas rejoindre l'Alliance Rwanda. Si on va rejoindre, on ne dira pas que c'est seulement les anciens kabélistes qui sont en train de rejoindre le mouvement de Kouadé Nanga. Vous voyez, les amis, c'est ce que Batoumoko Bouye, Naba Buzz, Nabango, Bassa, ba publication en ligne, Bassa, Babilo, va sortir, Batnion Souan, Bakoumoko Bima, Moko Moko Namoko. Sans impact, hein, ça sera toujours comme ça. Un gars, peut-être très suivi sur Facebook, peut-être sur Twitter, sur quoi que ce soit. Alors, il y a pas à Kotikuna, il y a pas à Kotikuna. Sera toujours comme ça. Batouana sera toujours d'actualité pour affaiblir. Toujours d'actualité. Si majorité des territoires qu'ils avaient, qu'on répond, il n'y a pas d'intensification. De la MONUSCO est en train d'aider au sens des corps-là, d'affaiblir la RDC pour des probables négociations où on va jeter les gens. C'est toujours été comme ça. Soit on marginalise toute une tribu, toute une province, base l'accès, la contourne au pouvoir, et pèse la frustration, ou y'a comme raté la violence, il y a ma casse. On a dit qu'il y a déclaration, il y a Monseigneur, Monseigneur à cette époque-là, Monseigneur, à Zano Cardinal, mais Cardinal, il y a les lots. Cardinal, les lots. Moi, je dis toujours que les cardinaux devraient, en principe, avoir un esprit saint. Mais oui, il y a Bissot. Moi, je sens l'esprit malsain. Je ne sais pas où ça vient d'où. Ce n'est pas une insulte, c'est une considération. Parce que l'esprit saint a des fruits qui vont vous pousser, n'est-ce pas, à rendre justice, à établir la paix, à avoir l'amour. L'amour, c'est les dons d'esprit. Et l'esprit est l'esprit saint qui épanouit quelqu'un, qui libère, qui donne la révélation. Mais notre cardinal a dit ceci. Je vais vous mettre l'élément en image. C'est en plein culte. Il a pas fait ça en secret. En plein culte, il dit les gens suivent Nanga parce que le partage au niveau de l'exercice de pouvoir n'est pas équitable. Suivons. Nous pouvons nous énerver contre ceux qui sont partis. Nous pouvons les faire des traîtres.
Là, c'est le cardinal dans son activisme. Bon, de vous comprendre que voilà le but. Quand on s'accapare du pouvoir, on ne le partage pas avec les autres. Voici les conséquences. Ça, c'est le prisme du cardinal. Il dit ça sans mâcher les mots, hein, de manière claire. Et pourtant, ce qui vous tali très bien, apologie ou la rébellion, cardinal Akosala, on dirait que c'est une histoire déjà bien préparée. Donc, cette histoire de Nanga, il faut couper sa bonne importance. Comme Bango, le cardinal, collabore toujours aux Occidentaux, qui se cachent derrière les Rwandais, les M23, les mouvements, et puis ils viennent en donnant des leçons après. Vous comprenez que le cardinal joue sa part. Sa part, au lieu seulement de prêcher les Congolais à préserver leur unité nationale, leur nationalité, à avoir même pitié des gens qui sont victimes aujourd'hui des atrocités gratuites, oh, bah, mérité, mais le cobalt quitté, bah, victime. Le cadre n'est pas allé dans ce sens-là. Il est plutôt allé dans le sens de condamner le pouvoir qui est à Kinshasa. Église en principe, Rona Bango Bandeko, et vous allez redresser la société. Isalaka comme une lampe qui éclaire. Isako remettre la pendule à l'heure. Isako zongisa dialogue dans la société. Batu bayokana. Ba revenir au bon sens. Mais oyabiso, en tout cas, cardinal congolais, il faut se ressaisir. Parce que côté tokende, je ne sais pas. Hein. Dans le passé, il avait dit que Kagame n'avait pas de problème. Hein. Il gère bien son pays, il développe, il n'a pas parlé de l'aspect sanguinaire. Lui, ça ne le regarde pas, lui. Hein. Lui, le fait que les gars organisent des fêtes, ils construisent une arène, des hôpitaux, quoi que ce soit, même si c'est sous le sang des Congolais, lui, il n'a rien à voir. Hein. En bon, on n'a rien à voir, ça. Le cardinal, malheureusement. Bande Kouboyoki, Wana cardinal. J'ai une communication, Bande Kouboyoki, c'est un message qui m'est parvenu. Nagoti kango eleka bongote. Bandeko motoyo aza na Kinshasa. Ça c'est un câble. On m'a dit d'alerter, j'alerte. Je suis lanceur d'alerte. Il faut lancer alerte. Ngai bon principalement. Barwande naba bongo sauté. Avant ils avaient un réseau très puissant Kinshasa. Hein? Au lieu maintenant ils bat traquer ils te font du mal. On s'en fout. C'est pour l'ADC qu'on le fait. Nous sommes des patriotes. Bandeko, j'ai reçu une communication dans ce sens. Il y a monsieur Rafiki Yacinthe. Monsieur Rafiki Yacinthe, pour le Baobaibi, la petite histoire, il fut un professionnel rapproché du ministre Gatabazi. Gatabazi Azalaka, ministre des Travaux Publics. Au sein, il y a gouvernement, il y a Habyarimana na Rwanda. Demis ses fonctions lors de l'option du adoption du multipartisme. Tango, Rwanda est commis na multipartisme. Ndekoyo, ma fonction est ici là qui. Alors, il a rejoint les partis qu'on appelle les partis socialistes démocrates, PSD. Il déclara au meeting de ce parti à Gisenyi, qu'il regrettait d'être originaire de cette région. Quelle région? Gisenyi, au Rwanda. Après la mort de Berimana, le 6 avril 1994, M. Rafiki Asante a été nommé où il fait tout son possible pour faire comprendre aux hautes autorités congolaises qu'elles doivent minutieusement étudier comment se débarrasser complètement des FDLR. Il y a mon FDLR.
aza coupé sur ma piste na ba autorité congolaise comment se débarrasser définitivement du FDLR. La seule cause qui empêcherait à attaquer définitivement la RDC par Paul Kagame. Donc nous demandons fermement à quiconque serait au contact avec ces messieurs prétendant que son conseil porterait un fruit quelconque à la RDC de lui tourner les dos. C'est ça, non? Batouba tourner les dos car il n'est plus il n'est plus que celui que le Congo a connu. Donc un homme averti en vaut deux. Bandeko Boyoki Moto la chili de photo Aza Rwanda en bref. Azaka na gouvernement. Alors, je ne sais pas ce qui a connexion et zongi bien. Je vais prendre quelques appels pour nos amis. Plus 1-223-797-48-18 ou bien vous pouvez aussi appeler sur le numéro de Kinshasa, le numéro de Kinshasa qui est là, qui est en bas là. Vous appelez sur le numéro de Kinshasa de plus 243-97-11-90-80-864. Voilà, tous les numéros là passent. Même le numéro de Kinshasa passe pour ceux qui voudraient contribuer à réagir à notre émission et pourquoi pas souhaiter bonne fête de Pâques à leurs compatriotes à travers le monde. Le téléphone est ouvert maintenant. Téléphone est fou, mais le téléphone est ouvert. Voilà, pour ceux qui veulent appeler. Je sais que la connexion n'est pas fluide, mais on va prendre quelques appels, même 5 appels. Avant tout si ça antenne Abisso pour les amis qui voudraient souhaiter à leur la bande de Mango des bonnes choses on peut prendre vos appels le numéro international c'est plus 1-223-697-48-18 le numéro il est sur WhatsApp mais si vous voulez appeler directement un numéro d'appel local de Kinshasa c'est plus 243-97-11-90-864 numéro d'appel. J'attends vos appels pour souhaiter une bonne année aux uns aux autres qui voulaient souhaiter une bonne année alors que nous sommes à Kinshasa. Non, pas une bonne année, une joyeuse fête de Pâques. Ce n'est pas encore la bonne année. Fête de Pâques, joyeuse fête de Pâques. Vous voulez souhaiter à quelqu'un, fait des pas. D'ailleurs, je vois, laissez-moi souhaiter une meilleure fête, une bonne fête des Pâques aux amis qui sont connectés dans le chat. Les amis avec qui nous avons cheminé depuis le début de cette émission, il y a plus d'une heure. Là, il y en a mon bande et Bélé Baza connecté, Baza en ligne, Papa Gustave Yampoula. Ok. Tozi ndeko na biso abengi biso na WhatsApp émission OK ndeko ningi a souhaité bonne part. Alors deuxième chose. Il dépasse pour le parti monil. Il a du temps. Une minute. Batlokola ba Gil ba mona koli ba ndeko na mtu soki kite ne soki tenga. Est-ce que batona ni on sofer ki seke di mari antwa nai? Après utiliser batlokola service à renseignement. Cette ville à Kinshasa. Kinshasa est une boîte de billets à des millions à SRDC. Mais je crois que ça qui dépasse la base de la matière, la réalité est bien pour les canaux de service à l'enseignement. Pourquoi? Même au titre Kaboul à cause de l'Isabatouana, Bakouts. Voilà, merci Neko et Yokani. C'est plus pour souhaiter la meilleure fête de Pâques. Aux questions de quoi poser, je n'ai pas la réponse à ça. Alors, on a toujours un taliboso, on devrait mourir à Bingambiso na WhatsApp. On est pris de rappeler sur WhatsApp un numéro de la RDC. On lui prie de bien vouloir rappeler. Ok. Là, nous prenons vos appels, quelques appels. Nous pouvons prendre 5 appels, encore 4 appels. Nous avons pris le premier. Première personne à intervenir et l'appeler des États-Unis d'Amérique. Alors, WhatsApp plus 1-223-997-48-18, notre numéro d'appel WhatsApp pour la partie matinale de notre émission dominicale. Alors, Tokozo Andenko Abengibiso Namboka
RDC. Allô, bonjour. Allô. Et allô, bonjour. Oui. Et allô, monsieur. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Madame Bonga. Je suis M. Désir. Colosi. Allez-y, on parle depuis Colosi. Oui, ma aux autres personnes, de l'espace mental, si nous sommes aux alliés oui. Un monde qui aurait salon, salamou. Mon salon, et aux autres personnes, aux autres personnes, moi. Moi, ma taille, à quoi on a dit nos pères pour l'inatabo canadien. Oh, on a l'ingi, n'a l'oba, moko et j'en ai mis, n'a écouté les sanano, ma tabo, yo, ya, jikata, neti, a kibi boy, wana toi, bika, like bango, baza, en connivance, laba, en de conabiso, yo, ba kima kibe, ba, naïwana. Donc, l'obito, l'obikuna, to kora, kye, te, a kye, pour les joindre. Merci Ndeko pour la peine à Yamutuya. Merci Ndeko pour la peine à na émission Nabiso. Alors, nous pensons très bien que les services de sécurité ne peuvent pas commencer à traquer les gens qui balingi ba rejoindre quand on a bakarabango. Moi, je ne pense pas que c'est ça. Ça devient un crime à partir du moment où moto a commis na ba rebelle. Hein, ce qui moto par exemple azana na kisasa, hein, boyuki intention na ye, ils ont quelque chose de rébellion. À rejoindre une rébellion, je ne pense pas que jusque là ils a crime, c'est pas encore un crime. Ça devient un crime à partir du moment où moto rejoindre. Et puis est-ce qu'il y a moyen d'empêcher quelqu'un? Le seul moyen, comme je l'ai dit dans une de mes productions ici, c'est de mettre en place les mécanismes, les voies et moyens pour décourager les gens à y aller. Ce qu'on okay, par exemple, au coup de Babien Naïon à Congo, bah, avantage au coup perdre, au coup des choses comme ça. Moto et Bani n'a pas bien à y aller. Alors ça va venir, on attire au tel Naïon, on est à comme rebelle. Bon, ça salit bon, on attire au tel Naïon, on est au tel Wana, bon, comme son sous-siat, il y a police, c'est tout. Bon, tu as policier, na kat, na bas, na on a bas, on va au tel Wana. Comme ça, il y a perdre. Si vous faites ça comme ça, les gens vont donc penser deux fois. Hein? Les gens vont commencer à penser deux fois. Et puis, rendre difficile, montrer que ça bon rebeller du coup, comme ça, dans beaucoup pour qu'ils ne convertissent les bandas. Ou bien à désinvestir. Beaucoup comme ça, opération est impossible. Parce que si nous avons un homme, montrer que bien, qu'on transfère dans le registre cadastral, ou peut-être qu'on va commencer à bon rebeller dans le compte en banque. C'est une preuve que nous avons un homme. Bah preuve en gros, mais si l'État contrôle maintenant, bah soutenir son bancaire, l'État contrôle tout ça. Moi, je penserais bien que et qu'on permettre à ce que l'État est là très bien sécurisé et que sécurité est là maintenue de manière optimale. Parce que Moutousoki a manifesté intention. Il y a aucun comme un rebelle. Jusque là, c'est pas un crime. Hein? Jusque là, c'est pas encore un crime. Ça devient un crime à partir de moi, comme un rebelle. Moi, je pense que c'est ça. Parce que il y en a même qui disent que Bandeko wana pourquoi bah service quand qui va monter. Mais service vraiment quand bango na motif nini. Avec quel chef d'accusation en moto qui a une intention au crime comme un rebelle. Moi, je ne pense pas. Il faut que ça ils aient assuré que moto est un rebelle effectivement. De beaucoup quand il y a. Alors plus 1 223 697 48 18, notre numéro d'appel.
Nous sommes en train d'attendre vos appels. Deux appels encore pour toucher sa antenne Abisso. Je pense très bien que la ligne est fluide, très fluide. Ce que nous sortons en temps réel. Merci à tous les amis qui nous ont rejoints, qui sont avec nous du début jusqu'à la fin de l'antenne. Je vous fais bande de j'aime pour améliorer l'algorithme. Il y a émission Abisso. Si vous nous regardez et que vous êtes en direct, je vous prie de mettre le j'aime si vous n'avez pas encore fait. Sur vous la côté, je vous prie de faire ça, de mettre les j'aime pour susciter l'algorithme. Il y a émission Abisso. Et ceux qui, par exemple, et l'on peut montrer à quoi ça a changé les vies de la constitution, voilà, j'ai bien affilé. Et qu'on peut réserver, ma ramouille, même ceux qui ont l'ongoué. Ils l'ont connu au Tigre. Mais ceux qui ont la bonne constitution, ils ont la bonne. Et c'est l'on peut montrer que Nyon Soya Tongi a erreur au Kinega Randengé, patrimoine à mon goût de Kenda. Et l'on peut montrer à ils ont changé les vies de la constitution. Donc ceux qui ont conduit au Carabisso, ceux qui y au Carabisso, en tout cas, c'est pourquoi en cas il y a la tête de l'Assemblée nationale, il y a un sécurité. Il y a un compromis, il y a un mouton, il y a un capable de relaxer le coin. Il y a capable de relaxer le coin. Mais nous sommes toujours un pied dedans, un pied dehors. Il y a vraiment deux autres traces de bamoté. Attends, il y a un mouton, ceux qui ont retiré, je le vois avec un papier satin à table primature, c'est un problème. Mais l'institution, là, parlement, le Sénat, en tout cas, après sa bataille digne de confiance, on va conserver ce boulot à la constitution. Donc, c'est ça l'intervention. Merci des copains de M. Namoutouya dans l'émission Nabisso. Pour lui, le compatriote Azor Kanisake, changement et la constitution, et vous avez cadeau, mon nez, au chef de l'État, c'est là-bas congolais. Je pense que Ndeko Aza vraiment n'a torté hein, quand les compatriotes parlent il y a changement à la constitution parce que Baloua et Bélé, Oyo, ceux qui échangent dans l'intérêt, il y a les Congolais. Donc nous pensons très bien que vous avez un avantage. Il y a mon pour les Congolais de gauche et de droite. Hein. Baloua Moroboye hein, est verrouillé par qui? Il y a les Congolais, par exemple, il y a des pères et des mères, c'est très important, pour que tout empêche qu'à l'avenir, on puisse avoir les infiltrés, au vrai sens du terme, à la tête du pays, et les gens qui n'ont pas d'intérêt, les gens qui n'appartiennent pas. Ça dit quoi? Les non-congolais à la tête de la nation. Parce qu'on a des gens qui ne sont pas congolais. D'où leur loyauté sera partagée, leur loyauté sera ailleurs. Et puis, ils ont un objectif familial, et ils ont un objectif. Ils peuvent préparer un plan comme ça, et kotiti na mesisa penza taki. À l'antenne, c'est Anna Nachoma à qui je souhaite bonne fête de Pâques. Elvis Kanga, William Tumba, Agathe Kabea, Pasteur Léo Loti, il y a aussi blablabla. Jean N. depuis les États-Unis d'Amérique, Didier Mibou, Fidel Chabani, Muntu Yamalonga, Kibwewa David, Erika Muzalendo, Erika Nzalendo Ngwashi. Ah, Ngwashi! Bienvenue dans la plateforme, bienvenue Chance Mouyuma, bienvenue aussi Mwamba Chanzu, oui, monsieur Jean, monsieur Rose Manzambi, bienvenue, ça ce sont les premières personnes à être connectées sur la plateforme Banato Bandaki. Je vous prie aussi de rejoindre la qualité des membres, il y a un lien dans la description, sur l'andiango, cliquez et côté sur la qualité des membres, il y a Africa TV Network. Ok. Je pense que le coup, l'appel ne vient pas. Alors, nous allons terminer ici. C'est comme la poulie, on ne sait pas arrêter ça. Oui, n'est-ce pas? Plateforme, on a mis YouTube, Africa TV Network. Hein? Une fois que tu as passé l'appel, bon, sans problème, bon, en tout cas, sans modération. Alors, les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Donc, dans les sous-sous, au fur et à mesure que le temps passe, normalement, on a les soirs, 20h après 20h, on va voir comment, dans quel côté l'actualité va balancer, tendance, actualité, vous allez en et puis de là, donc, nous allons apporter un numéro, hein, vous allez apporter un numéro, où vous allez aussi compréhensif, n'abellement et belé en image, car notre émission, Mouébi, ils allaient quand même téléviser. Alors, les amis, nous allons nous séparer ici. Nous allons nous revoir
un peu plus tard, assez plus tard. Alors, au revoir, amis, et à plus tard. Au revoir, à plus tard, Inch'Allah. Pas demain, à ce soir, hein. À plus tard, ce soir, aux environs de après 20h, heure de Kinshasa. 20h, 20h30 de Kinshasa, tout le temps, pourquoi. Au revoir, les amis, à la prochaine. Quand la sécurité compte, quand la vigilance est vitale, 2J vous propose une solution innovante. La caméra SA 360 degrés IA, un dispositif de pointe d'enregistrement vidéo et audio à 360 degrés par 360 degrés, piloté et alimenté par des algorithmes d'intelligence artificielle. SA, une marque déposée de 2J Innovation, en anglais See All Hear All and Alert, qui signifie voit tout étant tout et averti. Elle offre une sécurité et une protection complète à nos clients en captant et en analysant les images et les sons à 360 degrés sans aucune lacune. 2J Innovation est une entreprise de solutions de sécurité. Nous avons pour objectif de transformer l'industrie de la sécurité en proposant un produit de haute qualité et innovant qui garantit la sécurité de nos clients et de leurs biens. C'est comme avoir une machine à remonter le temps pour votre sécurité. Qu'est-ce qui différencie ça des autres caméras de surveillance ? Ça peut capturer 360 degrés verticalement et au ciel. Elle utilise l'analyse vidéo, sonore et liquide pour prévenir les risques et améliorer les performances. Restez à l'écoute pour la prochaine mise à jour où il pourra scanner les codes barres rendant les transactions financières fluides et pratiques. Nous ne nous concentrons pas seulement sur notre produit en tant que caméra, mais aussi en tant que dispositif de projection qui peut lire des vidéos à la demande sans avoir besoin d'un écran. Ne vous contentez pas de moins, choisissez le matériel IASA ATM de 2J, votre solution de sécurité intelligente, flexible et puissante. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, la sécurité n'est pas une option. C'est une nécessité. Pour en savoir plus et poser toutes vos questions, écrivez-nous sur info@2jinnovation.com ou pour passer vos prix commandes cet appareil incroyable.